Revelio. Je sors tout droit de la cuvette des toilettes où Eupraxiamol m'a permis de faire trempette. Tant que c'est qu'une seule fois par semaine, les toilettes des garçons m'accueillent. Quelle aubaine! Yves, arrête! Je vais être en retard. Et Gros Carpé a voulu m'arrêter et m'enfermer dans une cloche en verre enchantée. Mais ces sortilèges de maintien n'ont servi à rien. Alors j'en ai profité pour faire le malin. Il me fallait des privilèges considérables et remarquables. Pour éviter le chaos, elle s'est montrée raisonnable. Selon les termes de notre convention et avec sa permission, une fois par semaine, je peux faire le plongeon! Le plongeon! Je te le ferai payer! Revelio. Je ne peux plus venir. Lucan est juste là. Helio. Leviosa. Je peux t'aider ? Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Je crois que j'ai un don pour les duels. Eh bien, dans ce cas, tu es au bon endroit. Comment se déroule une manche de Joute Magique ? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse ? Bien sûr, les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant ! Que le feu d'artifice commence ! Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Let's go.
Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. J'espère te revoir ici bientôt. Revelio. En route pour de nouvelles aventures? Attends un peu que j'ai grandi. Rira bien qui rira le dernier. Je plains ton prochain adversaire. Revelio. Survit au règne de ce directeur, Revelio. Je pense qu'on pourrait avoir un Vaudelune comme responsable. Remplissez de joie nos cœurs de pierre grâce à votre arrogance. Et pour la salle, professeur? Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Hecate et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait déjà enseigné beaucoup. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Vous et le professeur Fig n'avez pas discuté de mon éducation? Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelques sorts. Revelio, c'est cela? Et Lumos?
Tout à fait, professeur. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire des devoirs supplémentaires, professeur. Vous trouverez le temps, croyez-moi. Vous comprendrez vite que vous avez beaucoup à apprendre. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créasors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions ? Potion Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. Ollivander est présent à Préolard ? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. Je n'ai jamais entendu parler des créasors, professeur. Qu'est-ce que c'est ? Un créasor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palot ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. J'aimerais y aller avec Nati. Excellent choix. Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées et elle connaît bien la région. Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood. Rockwood ? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés, en particulier son bras droit, Théophilus Arlo. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. Revelio. Qu'est-ce que vous mijotez ? Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur ? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation, Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé
et je vous enseignerai Reparo. Pourquoi devoir accomplir ces tâches avant d'apprendre Reparo ? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs. C'est là la raison de toutes ces tâches. C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie. Je vais commencer tout de suite, professeur. Revelio. C'est le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Action ! Et voilà. Revelio. Action ! Leviosa. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Si seulement il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir de ce pétrin. Revelio. Madame voudra bien m'aider ? Est-ce que tout va bien ? Tu ne sais pas qui je suis ? Zenobia Nook, la fille que tout le monde déteste sans aucune raison valable. Quel dommage que les autres élèves n'aient pas été accueillants. C'est gentil. J'imagine qu'il y a quelques élèves sympathiques. Je voulais me faire des amis, alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules ? De petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu ! Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Des bave-boules ? Ça a l'air amusant comme défi. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux autres. Les gens peuvent être si cruels. Juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de bave-boules. C'est leur faute, ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Everett et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules. Et ils les ont cachées en hauteur dans toute l'école. C'était un peu exagéré de leur part comme réaction. C'est certain. Bref, je n'arrive pas à les récupérer toutes seules. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. Tu aurais des idées sur la façon de récupérer tes bave-boules depuis leur cachette ? Si je le savais, je m'en occuperais moi-même. La personne qui a caché mes bave-boules en hauteur a bien dû y monter. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Ce serait vraiment gentil de ta part. Si tu réussis à trouver toutes mes bave-boules, reviens me voir. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. J'imagine que ces premières tâches n'ont pas été trop difficiles.
J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvée trop réaliste et s'est emporté. Réparons. Réveillon. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baves boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Réparons. C'est réussi. Ça marche à merveille. Vous ne pouvez pas. Réveillon. Fallait-il deux pincées d'angélique ou trois? Ça ne peut pas être aussi difficile que ça en a l'air. Réveillon. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Réveillon.
rébellion. Nati, j'espère que je t'ai pas fait attendre trop longtemps. Pas du tout. Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre à Préolard. Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires. Et de voir le village. Oui, j'attends ça avec impatience. Très bien. Alors allons-y. Je compte bien t'offrir une visite de Préolard digne de ce nom. Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Vraiment ? Oui. J'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé. Revelio ! Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les ruines anciennes. Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire. Je te crois. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à la prendre. Préolard est magnifique à cette période de l'année. Tout le monde te dira d'y aller à Noël, mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur. T'aimes pas le froid, c'est ça? Oh, le froid ne me dérange pas tant que ça. Enfin, plus maintenant. Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Revelio. Oh, attends, par ici. Je trouve souvent des chrysopes par ici. Ah ? Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial ? Ce sont de jolis insectes, mais une fois mijotés, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions. Revelio ! Forêt interdite. Des hippogriffes. Quelqu'un a dû les déranger. D'après les rumeurs, des hippogriffes ont été aperçus par ici. Revelio. Poppy a déjà vu les hippogriffes ? Absolument. Elle leur a sûrement des ateliers. Caracol. Là, sur la gauche, c'est la forêt interdite. Comme son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer. Pourquoi est-ce interdit ? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux. Moi, je trouve que le mot « interdit » fait justement tout son attrait. Ah, et de l'autre côté de la crête, il y a Préolard, après cette ruine. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse.
Revelio. Si je le pouvais, je passerais tout mon temps à explorer les environs. J'avoue que j'ai été surpris quand le professeur Weasley a dit que tu connaissais bien la zone. Comme tu es relativement nouvelle par ici. Elle a dit ça ? Revelio ! Mieux que je l'imaginais. Même si j'apprends beaucoup de choses en classe, il y a plein d'enseignements à tirer hors de l'enceinte du château. Revelio. Revelio. Tu prends tes marques ? Je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Tout était si nouveau et inconnu. Je commence à m'habituer. Et toi ? T'as fini par trouver tes marques ? Mon pays natal me manque, mais c'est très beau aussi ici. Et sortir du château pour explorer les environs... Je dirais que Poudlard, c'est un peu plus loin maintenant. J'espère que ça le deviendra pour toi aussi. Revelio. Monsieur Moon ! C'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, Monsieur Moon. Hein ? Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année ? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Miss Onaille. De faire demi-tour et de... courir. Tout va bien, monsieur ? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon ? Une demi... aiguise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Pauvre Monsieur Moon, une demi-guise. Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village. Je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. Action! On y est presque. Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château. Revelio. Seulement après Olar. Je serais ravie de t'accompagner dans tes explorations. Si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai, mieux vaut être deux. Je m'en souviendrai, Nati. Merci. Revelio. Et nous y voilà. Difficile de savoir par où commencer. Action! Rebalais si tu veux acheter une vieille de et à Honeduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer. Je ne saurais pas dire quelle est ma préférée ici. Je change sans arrêt d'avis. En tout cas, action! Tu trouveras tout ce que tu cherches après Olar. Thank you.
Réveillon. Le professeur Weasley a dit de prendre des recettes de potions, des créasors, des graines, et puis... Une nouvelle baguette. C'est ça. Tu vas adorer Monsieur Ollivander, et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux, et tu auras même le temps d'explorer un peu. Découvre Préolard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini. Amuse-toi bien, et à tout à l'heure. Merlin, ça ne va pas recommencer. Réveillon. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette. Oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, j'ai... Ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous... Non, pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Allons-y. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Bon. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginée. Comme c'est curieux. Où es-tu? Peut-être que... Ah, elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Thank you.
Étrange, très étrange. Intéressant. Étrange, très étrange. Intéressant. Étrange, très étrange. Intéressant. Étrange, très étrange. Intéressant. Les baguettes en cœur de dragon sont les plus puissantes et elles apprennent très vite. Étrange, très étrange. Alors, qu'en dites-vous ? Extraordinaire ! Oh, oh. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh, 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 oh. Alors, qu'avez-vous ressenti ? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient ? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. J'imagine, oui. Une baguette avec un cœur de dragon est capable d'une magie éblouissante. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Rébellion. Voici un esprit curieux. Rébellion. Rébellion.
Excusez-moi, je suis là pour les créasors commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation ? J'ai bien peur que non, monsieur. Oh, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Regardons un peu ce que nous avons. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Revelio. 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 Lumos. Thank you.
Revelio. En route pour de nouvelles aventures? Lumos. Réparons. Bienvenue chez Potion Pupin. Revelio. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolar. Vraiment? Eh bien, Pari Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mes grands-pères insistaient toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Que puis-je pour vous aujourd'hui ? N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Rébellion. Revelio. Thank you.
Réveillon. Qu'est-ce que vous mijotez ? Bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictam pour l'élève de cinquième année. Alors c'est vous ? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en cinquième année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo ! Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Teasdale, au fait, et voici ma boutique, le Navet Magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai ? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame ? Laissez-moi deviner, vous cherchez quelque chose d'inédit. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferai bien de retrouver Nati. Réveillons.